Bonsoir et bonjour. Selon votre position, ceci Radio Sunkin, le membre du bureau exécutif de jeunes de Télémélé. Je voudrais vous inviter ici de rejoindre cette équipe dynamique composée de jeunes pour qu'on puisse vraiment retrouver autour d'un même idéal pour parler le développement durable et inclusif de la préfecture de Télémélé. Ça aussi, c'est loin de toutes les mesquineries, de tous les conflits d'ego, les conflits générationnels. Nous vous invitons à venir nous rejoindre parce que nous avons élaboré ce qu'on appelle un plan d'action que nous voulons vous soumettre le dimanche prochain lors de l'Assemblée générale de l'Union des jeunes de Télémélé. Nous voulons voir toute la jeunesse, je vous dis, de Télémélé, pour qu'on parle juste d'un seul mot, la préfecture de Télémélé. Nous avons des défis à relever. Aujourd'hui, nous avons tout, mais tout nous manque à Télémélé. Nous sommes dans une préfecture, disons, le poumon de la Guinée. Nous sommes dans une préfecture cosmopolite qui est composée de toutes les sensibilités de la nation guinéenne. Alors, fils et filles de Télémélé, venez nous rejoindre parce que chaque chose faite pour vous, sans vous, n'est pas bonne pour vous. Alors, les 14 districts et la commune urbaine, nous invitons toute la jeunesse de la préfecture de Télémélé de venir. On va se concerter, on va s'écouter, on va se donner des idées, on va se parler en tant que fils de Télémélé pour qu'on puisse relever le défi. Parce que nous sommes dans une préfecture qui manque de tout et pourtant nous pouvons faire beaucoup de choses pour la préfecture de Télémélé. Nous sommes une équipe de jeunes, mais nous sommes animés par la volonté de bien faire, d'unir les fils de Télémélé, de parler de tout ce qui va unir les fils de Télémélé, de parler des propos fédérateurs, disons tout ce qui va unir les fils de Télémélé. Nous sommes pour ça. Alors venez tous, vous allez venir à l'Assemblée générale pour qu'on puisse parler de Télémélé. Je vous remercie.